Donc moi c'est intéressant aussi d'avoir une perspective, parce que tu sais, donc beaucoup de gens qui voient cette crise du Covid comme un signe de la fin des temps, hein, tu vois, le monde est en train de s'effondrer. Tu vois, toi, c'est intéressant parce que quand j'en discutais avec toi, c'est intéressant parce que tu peux donner une perspective un peu plus large sur les épidémies, quoi, et sur l'histoire des épidémies, quoi. Alors, je vais relativiser ça. Alors, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Hans Rosling, alors qu'il est mort, pas du Covid, désolé, mais qui est mort il y a 2 ans, peut-être un peu plus maintenant, qui est un spécialiste en santé publique et qui a passé une bonne partie de sa vie à montrer que le monde va pas si mal qu'on pense. Et dans l'ensemble, toutes les statistiques sur le monde disent que le monde s'est dramatiquement amélioré au cours des au moins 100 dernières années. Et il y a quelques trucs comme ça qui permettent, même au sujet de la pandémie, de remettre les choses en perspective. Déjà, il faut avoir conscience qu'il y a une grosse épidémie en 1968-69. C'était pas une épidémie de libertarisme, c'était une épidémie de grippe. Ça a tué beaucoup de gens. Et probablement que, enfin, au moins. Alors, le problème, c'est qu'on peut vraiment comparer à l'épidémie de Covid, parce que l'épidémie de Covid tue essentiellement des vieux, et des vieux, on en avait moitié moins à l'époque. Les vieux qui meurent du Covid. Pour dire les choses très simplement. Du coup, c'est un peu difficile de comparer. La population française était beaucoup plus faible. On sait aussi, elle a été beaucoup moins tracée, cette épidémie aussi, que le Covid. Donc, on a peut-être moins gardé les traces de combien il y a eu vraiment de morts. Mais il me semble que j'avais fait un estimé, c'était de l'ordre de 60 000 morts quand même, cette épidémie-là. Donc dire que le Covid, c'est la fin des temps parce que ça fait de l'ordre de 90 000 morts, alors qu'on a plus de... Enfin, je suis pas sûr que ce soit très justifié. En tout cas, celle-là était pas probablement pas aussi forte que le Covid, mais pas si loin que ça. Et puis, quand on remonte en 18-19, on a une épidémie, la fameuse grippe espagnole dont on a beaucoup parlé. Là, c'était vraiment plus sérieux, et puis surtout, ça tuait des jeunes. Donc, on a eu des gens, des familles qui ont perdu un, voire 2 enfants qui avaient la vingtaine. Puis même sans les épidémies, faut être clair que jusqu'au 19e siècle, les gens, ils avaient 10 enfants et on avait 2 ou 3 qui atteignaient l'âge adulte, sans Covid, hein. Donc là, on est en train de parler d'une maladie sur laquelle on est en train de devenir fou, et pour des raisons, alors qu'elle ne tue que des gens qui n'auraient jamais atteint cet âge-là il y a 100 ans. D'accord? Donc, je suis pas du tout contre la vie, les textes apocalyptiques. Je dis juste que là, on en est vraiment très très loin, quoi. Parce que on est sur une maladie qui est certes a des conséquences économiques impressionnantes, mais quelque chose qui n'aurait même pas du tout été un sujet il y a 100 ans, parce qu'on n'avait pas ces gens-là dans la population. Oui, justement, en fait, enfin, en gros, ce que tu dis, c'est que la crise du Covid, en fait, et les réactions qu'elle suscite presque montrent à quel point on a progressé. Voilà, c'est même simplement le... Il n'y aurait pas eu ces morts, enfin, il y aurait pas eu ces morts-là il y a 100 ans, et pas juste parce qu'il n'y avait pas de transports internationaux, parce que il n'y avait pas les gens pour mourir, quoi. Il faut savoir se réjouir. La Bible nous encourage en permanence à se réjouir dans les moments difficiles. Et s'il y a bien une chose dont on peut se réjouir, c'est que malgré tout ce bazar, en France, globalement, on n'a pas trop de mal pour manger. Alors, le gros mais, c'est les étudiants, là. Moi, la situation des étudiants, elle me reste là, hein. Les soupes populaires qui s'allongent, mais globalement, on n'en est pas tout à fait à mourir de faim quand même. Globalement, en fait, on sait même plus ce que c'est que la faim. Ça fait trois générations qu'on sait plus ce que c'est que la faim. Les dernières personnes qui ont eu faim, c'était jusqu'en 50, si on veut compter large en France. Mais quelle bénédiction! Pourquoi est-ce qu'il y a encore eu des grosses épidémies au 19e siècle? Bah parce que les gens, ils avaient faim.
La Oui, fin. la malnutrition, tu veux dire, c'est un bon terreau pour les épidémies? Pourquoi la guerre, la grippe espagnole, elle a tué tous ces gens-là en 18-19? Bah parce qu'elle est venue après la Première Guerre mondiale. Alors c'est sûr que des maladies respiratoires sur des gens qui ont été gazés, ça fait mal, déjà. Et puis ensuite, il y a des gens qui étaient mal nourris. Donc c'était des jeunes, oui, mais des jeunes mal nourris. Aujourd'hui, les jeunes, alors, mal bouffés, ok, mais trop peu nourris, faut les chercher quand même en France, hein. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que le Covid fait rien du tout. Donc voilà, savoir se réjouir de ce qu'on est dans une situation où globalement, voilà, faut compter les bienfaits de Dieu, quoi. Ce qui est clairement dit par les autorités médicales, hein, c'est qu'on a beaucoup moins de grippe cette année. En fait, à l'échelle mondiale, il n'y a plus de grippe. Et c'est probablement lié au fait qu'il n'y a plus de transports internationaux, puis que tout le monde porte un masque, donc ça a quand même un effet sur la grippe qui est tout à fait significatif. Et puis, il y a d'autres choses qui ont beaucoup diminué. Les gastros sont en chute libre, même si ce n'est pas autant que la grippe. Les bronchiolites du nourrisson, qui étaient un gros problème pour les urgences pédiatriques. Ont complètement disparu cette année. Enfin, je crois qu'il y a eu, je sais pas, un dixième des bronchiolites du nourrisson cette année. Je ne sais pas exactement l'ordre de grandeur, mais c'est vraiment quelque chose de massif. Et actuellement, on serait plutôt sur une baisse de la mortalité habituelle, enfin la mortalité par rapport à l'habituel. Donc c'est un peu surprenant parce que les chiffres Et officiels, eux, ils explosent. en gros, est-ce que tu es en train de me dire, ce qui possiblement, après il faut interpréter les données, mais qu'en gros, la crise du Covid fait que qu'en fait on se pré enfin toutes les mesures pour nous prévenir du Covid nous préviennent en fait de plein d'autres maladies qui tuent aussi, quoi. Ouais, mais après, c'est pas dans les mêmes proportions, hein. Faut pas me faire dire que le Covid, c'est pareil que les autres, hein. On a quand même un excès Non, de non, morts. non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en nous protégeant du Covid qui tuait en plus que les autres, hein, tu veux dire, mais en fait, ça nous protège de d'autres maladies, tu veux dire, qui elles aussi tuaient. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Je pense que, par contre, et finalement, l'augmentation de mortalité depuis le début de la crise, c'est de l'ordre de 70 000 personnes, plutôt que 100 000 vers lesquelles on arrive. Et que ces 70 000 morts, faut les comparer avec les 600 000 morts habituels par an. Donc c'est une augmentation de 10% de la mortalité. C'est en Ok, tout cas pas comme ça que je conçois la fin du monde. donc si je vois pour toi, le Covid, c'est pas un complot organisé par le gouvernement pour fermer les églises. Non. On peut voir ces choses sur Internet, tu Question sais. suivante.